Le bilan de cet entretien, c'est que à la fois nous sommes rassurés par rapport aux propos qui ont été donnés hier. Nous avons entendu un soutien ferme du président de la République sur le sujet, mais nous attendons bien évidemment des actes pour que enfin l'égalité que toutes et tous attendons depuis longtemps soit mise en place. Il nous a assuré sur le fait que l'État emploierait tous les moyens qui étaient à sa disposition pour, en cas d'empêchement d'un maire pour X raisons de célébrer une union entre personnes de même sexe, de pouvoir s'assurer que n'importe quel officier d'État civil pourrait le faire, enfin qu'un officier d'État civil pourrait le faire sur n'importe quelle commune du territoire. On a acté que le terme liberté de conscience ne correspondait pas, en tout cas, au débat, qu'il n'y aurait aucune modification du texte de loi, aucune précision par voie de circulaire ou quoi que ce soit, mais qu'on était bien sur le rappel de dispositions du droit existant. Il nous a témoigné de son soutien et de son engagement complet sur le projet de loi dans les contours actuels, à savoir l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe, et le fait que le texte serait voté dans la version qui était présentée au Conseil des ministres, serait en tout cas à minima voté dans cette version-là.